Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nobody Wants to Die. On se retrouve pour continuer notre aventure au sortir de l'ascenseur. Le chat a voté pour continuer un petit peu, donc si vous ne voulez pas être spoilé parce que vous comptez faire le jeu, bah, je vous invite à ne pas regarder cette deuxième vidéo. Ou si vous en foutez, eh bien restez avec nous, on va continuer. Je pense que là on est plus ou moins en route pour chez lui, ça paraît très logique. La mixture d'odeurs dans ce lieu coats l'intérieur de mes nostrils comme la grease. Almost like that chocolate at Green's place. Almost. Alors visiblement, il a pas aimé l'odeur du chocolat quand même. Dans la ruine, quoi. Alors, tu vois que le mec, il vivait dans une maison qui faisait cette taille-là, qui était un truc ultra luxueux. Watch yourself and others for the common good. Mais oui, bien évidemment. Give back our bodies. Bah oui. Rendez-nous nos corps, tu m'étonnes. Ambrosia, your daily dose of immortality. Who's paying off your body, huh? I think I deserve something. Take your hands off me! Rent unpaid, putain, le truc marqué là et tout, quoi. Sympa. Welcome to Night City. Ouais, il y a un peu de ça, ouais. En plus artisanal, on va dire. Rent paid. Parfait. Oh, cozy. Cozy, cozy. On va falloir qu'il remplisse sa flasque, là. Excellent. Only one corpse. I'm glad to hear that. Due to the high level of air pollution, I recommend full body decontamination. Bah, c'était marqué paid au-dessus de ma porte, donc je pense que oui, Zikino. Hard to believe it's been almost 100 years. Meilleur de joueur de l'année, il était joueur star de Bell's Ball, ok. The parties had said I smashed it with the ball during the game. The truth is, it was after the game. And I had a ball-shaped stone trophy. A football trophy. Briseur de batte 2244. Très bien. Alors, on regardera notre courrier plus tard. Je crois qu'on se décontamine du coup, c'est ça l'idée. Ah, le fameux désastre du train. L'origine de la catastrophe n'a pas été révélée officiellement, mais il y a de nombreux signalements d'explosions et de coups de feu. La police s'est abstenue de tout commentaire. Le propriétaire du célèbre stade a révélé son plan ambitieux pour 2330, organisant la plus grande rencontre sportive du siècle. Une question subsiste, qui va payer la facture ? Le président rassure les citoyens inquiets de la loi controversée qui abaisse l'âge limite d'exonération de l'abonnement corporel en martelant qu'il était le bon dirigeant pour affronter cette époque difficile et qu'il ne trahira pas la confiance placée en lui. Eh bien, ça fait rêver. How much time has passed? I feel like I'm taking them more and more often. Ouais, j'avoue que ça a l'air d'être un peu une drogue ce truc. Qu'est-ce que c'est que ça? Nouvelles allergies corporelles. Polinois, Charo Caprica, Santé Coco. Ok, parfait. On peut sortir une espèce de gelée. Protéinonais, du miel protéiné. Tacombrero sans Chigate. Excellent. Des trucs un tout petit peu
différent. Ici, on a un petit arbre dans sa gelée. Lucky, I don't need to water you. Depend on me, and you won't have long to live. Ça n'a rien à voir avec le cerisier du mec, c'est sûr. Brian, le mec voulait s'appeler Brian. On a un fils? Non, elle est... Elle m'a l'air d'être un petit peu verrouillée, la porte, là. Appeler la salle de bain. Ok. Alors avant, on pouvait inspecter notre petit robot, là, j'ai cru voir. Message from old bastard. Kara, I'm waiting for a report. You know which one. I advise you to get a move on. De la part de vieux fumier. J'adore. I don't know how I was lucky enough to even meet a woman like that. Oh, mais il y a plein de photos. This car. The car was great, but started to fall apart. It wasn't safe either. A sound mind and a sound body. I've forgotten what that's like. When I started the service, the guys didn't believe she was my wife. Even when I brought this photo, they said it was photo montage. I bet every one of those guys has a new body by now. Probably wouldn't recognize each other on the street. C'est vrai que c'est un petit inconvénient du truc. Alors, on va aller se décontaminer, ça me paraît... Alors, j'ai envie d'aller en haut. On va aller se décontaminer. On va aller se décontaminer, ça fait partie de la procédure. Shit, Seth. I'm sorry your luck ran out the way it did. À chaque fois, sa tête est un petit peu cachée. As usual. Finally. Préparation de la salle de bain. Différents modules shower, available module décontaminateur. Ok. Ok, parfait. On a des pilules de rab. Il y a un air d'Harrison Ford sur la photo avec la femme. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Avec son petit chapeau. Bienvenue dans un nouveau jour avec un sourire qui brille. Ouh. Magnifique. Donc nous on veut décontaminateur. Ah oh putain, c'est partagé avec les voisins quoi. Sérieux. Très bien. Ah, enfin on voit sa tête. It's hard to get used to a face marked by someone else's mistakes. Though for some reason, it's much easier with the eyes. Once the life fades out of them, they can belong to anyone. C'est vrai que du coup, ça peut être le corps de n'importe qui a été vendu aux enchères et que t'as récupéré quoi. Alors, visiblement, il y a ce truc-là qui est là. Très bien. Et du coup, il peut pas utiliser la salle de bain tant que... D'accord, c'est vraiment partagé, quoi. I'm gonna need more space to fire up the evidence board. Parfait, parfait. Alors du coup, on va quand même aller lire notre courrier.
Dear James, on voudrait vous inviter à une fête pour devenir pote pour le nouveau corps de Franck. Fête de présentation du nouveau corps, quoi. Ce sera dommage de se croiser dans la rue sans se reconnaître, pas vrai? Ah, c'est glauque, putain. C'est glauque. C'est hyper glauque. C'est glauque, non? Moi, je trouve ça glauque. Alors, on avait un email, là. Cher Monsieur Cara, félicitations pour l'obtention d'un nouveau corps. Nous espérons que la synchronisation s'est bien passée. En parallèle, vous trouverez ci-dessous la liste des défauts affectations de votre nouvelle peau. Intolérance au lactose, asthme, scoliose, allergie au polynois, charoprica, santé coco, hypertension. Nous vous souhaitons de nombreuses années de bons services. Putain, le corps pourri, quoi. Scoliose quand t'es flic, c'est pas cool, hein. Et une horloge. Du sang là dans le lit là? Non, ça a l'air d'être des taches de vin plutôt. The island with the imitation sun. We never had time to go there. La seule île artificielle avec un authentique soleil de synthèse. Ça fait rêver. C'est pour le moins étrange, dit Kino, je suis d'accord. Ouais, le monde est hyper bizarre. Ah, c'est bien fait, hein, mais... New York, là où le présent est déjà l'avenir. Il n'y a pas les Twin Towers? Non, il n'y a pas les Twin Towers. Du coup, il y a... Oh, il fait beau dehors. Ah oui, c'est le faux truc, quoi. Ça fait tout de suite moins rêver. Bah voilà, Zikino, c'est ça, la vue par la fenêtre. Je tenais pas forcément à sortir réellement. T'as cru voir la plage en descendant les escaliers? Bah ouais, moi aussi, ça m'avait l'air tout ensoleillé et tout, super cool. On va devoir se redésinfecter en rentrant. Join the police! Ah ouais, ce flic avec un sourire là. Donne envie. Est-ce qu'on peut aller là? C'est marrant, mais il y a quand même. On dirait qu'on est hyper libre de faire plein de trucs. En étant un peu fermé sur ce qu'on peut faire, mais. Genre, tout à l'heure je pouvais complètement visiter la maison. On peut s'asseoir sur le néon. Qui fait ça? Putain la vache. Oh le vertige là. My god. Et le cigare, on pourrait se fumer le cigare tant qu'à faire. I miss this sight. In the first days after changing into this shell, the shakes were so bad I couldn't come out here. Wow. Ah ouais, là y a un petit effet de vertige quand même, hein. This infernal racket is the pulse of the city, the main artery leading to the CTC itself. The city sprawls in every direction. It's only a matter of time before it starts devouring itself. Ouais, c'est marrant, là, c'est un immeuble semi-construit au milieu de l'immeuble déjà construit. Visiblement, ils n'aiment pas trop les produits des mers. On va reculer, mais tombe pas, mec, surtout, hein. Oh putain. Doucement, doucement. Ah, c'est bien fait. Allez, on pouvait monter encore un peu. Non, c'est fermé. Ok, on doit descendre. J'espère que tu t'es pas évanoui, Zikino. And then what'd he do? He signed as soon as the bill landed on his desk. The
president is nothing but a pen in the hands of corrupt politicians. A stooge! A disgrace! Did you hear? He signed it! That lying piece of shit! C'est vrai que les mouvements de caméra sont pas agréables. Bah, c'est malheureusement, quand on n'a pas l'habitude, c'est un des effets des FPS quand tu regardes quelqu'un d'autre jouer en fait. Donc c'est le fait que ce soit moi qui joue qui fait ça malheureusement, Zikino. Parce que tu ne peux pas prévoir la direction que je vais avoir et donc du coup ça te perturbe énormément ton oreille interne. C'est malheureusement un effet des FPS en vidéo, assez classique. The Other Woman. Magnifique. T'as une VHS, quoi. Sérieux? Non, ça ressemble à un boîtier de DVD dedans. Y'a pas la petite bande comme sur une VHS. Actors in their own bodies. Now that was cinema. Là, y'a des propulseurs de bagnole. Un phare, visiblement. Et ouais, c'est une habitude vraiment à prendre, hein. Quand tu regardes des FPS, quand tu regardes beaucoup de gens faire des FPS, ça finit par moins te déranger, mais... Ok, faisons de la place en bougeant le canapé, là. Allons-y! Pourquoi pas? How's the job going? To complete my report, I need to summarize the evidence. I need access to the system. You heard Chief Steiner. He wants it classified as a suicide and sent straight to him. We were supposed to put our cards on the table, so that's what I'm doing. I appreciate that, but we have one more problem. Do you think I don't know why the Chief put you on restricted duty? I read your wife's case file. Forgive me for mentioning her, but it was the same kind of suicide. Sarah, listen to me very carefully. We're in this together, and it's a lot bigger than the Chief. Sooner or later, the report will make it to the top brass, and we'll both be fucked. Unless we consider all the circumstances in the report. Oh, fuck. Mm-hmm. Okay, you know what? Here's what we'll do. I have access, so I analyze, and I put the evidence on the board. Is that clear? As clear as day. Okay. I'm sorry for bringing your wife up like that. Look, let's not fight. Let's connect the dots one by one. If we agree with the conclusions, we move on. You'll agree with me sooner or later. The sooner we get this over with, the sooner you can write the report. It's the spirit. I should clear up Sarah's doubts about the murder. First, I have to prove that somebody else was there besides Green. And when Sarah takes the bait, I'll convince her about the rest. Tiens, t'as essayé d'expliquer à ton fils de 4 ans ce qu'était une VHS. Ouais, 4 ans, c'est un peu jeune peut-être, ouais, pour ce genre de concept abstrait sans exemple. Mais je suis sûr que tu pourras faire quelque chose. Alors, comment ça marche ? On peut faire un panoramique en bougeant, zoom in, zoom out, je suis zoom out maximum. Il ferait bien de dissiper les doutes de Sarah. Qu'est-ce qui prouve qu'il y avait quelqu'un d'autre en plus de Green? Donc là c'était Green qu'on a vu faire des trucs. On a vu Licorice. On a vu quelqu'un qui avait quand même l'air de le tabasser, mais il y en avait une autre preuve qui me semblait plus pertinente, c'est qu'il s'est jeté en arrière sur un angle improbable. The moment of the fall is puzzling. I want to say that someone kicked him, but we don't have enough. No. Et donc du coup on va essayer l'autre du coup. This is quite a lead. But who's doing the beating? A fucking ghost? Excellent question. Posez là, papa. Comment je fais? Ah, je peux le lier, d'accord, ok, je peux le lier. Très bien, faut que je le pose dessus.
Alors, difficile d'expliquer le comportement de Green sans faire intervenir un troisième larron. On en aura des traces exploitables quelque part. Pour l'instant, on a l'air d'avoir plutôt bien dissipé les doutes de Sarah. Maintenant, il faudrait trouver des traces potentielles d'un troisième larron. La montre me paraît intéressante. Alors, la construction du tabassage est une piste solide, mais la deuxième paraît trop floue pour être exploitée. Alors, attendez. La reconstruction du tabassage est une piste solide, mais la deuxième paraît trop floue pour être exploitée. La deuxième quoi? Deuxième piste? Peut-être qu'il nous manque un truc. Look, you don't have to try to convince me that Green is behind everything. Suit yourself. Je pense qu'il faut qu'on vire le deuxième indice, celui-là du coup. Genre on rejette l'hypothèse là. Ok, donc là par contre on pourrait mettre la montre. Pour la tierce partie, il faut quelque chose, ouais, c'est ça. Et là, pas de bol. Dommage que la montre n'ait pas commémoré la rouste que ce pauvre type a encaissé, quoi. De toute façon, ça, je peux le lier à rien. Donc, ça suffit pas pour expliquer la tierce partie, mais la. La plaie dans le sang, dans le dos quand même. La plaie dans le dos pourrait quand même être potentiellement vue comme quelque chose de douteux. Alors, Green a tout l'air de s'être fait sérieusement tabasser. I've already changed my mind. Are you the same with guys? I won't correct you on everything you just said that was wrong. Besides, I'm looking for more information about the evidence. But seriously, no more jokes. C'est une croix rouge, donc je dirais que c'est un gros nom. Bah, je sais pas pourquoi ça apparaissait comme ça. Ça sous-entend qu'il y a peut-être, on a peut-être raté des trucs. Hein. Only with friends, but I'll make an exception for you. Ah, elle nous rajoute des indices. Alors, une forte concentration d'ambroisie, de composés pharmaceutiques, entre autres substances, ok. Juste avant l'incident, une caméra routière près de l'appartement a flashé Park. Il avait le bras autour des épaules de Jen Salma sur le siège passager, ok. De la poudre à canon sur les mains de Green. Jen Salma et Kovalev, Green avait rendez-vous qu'avec ces deux-là le jour de sa mort. Guests. What do we know about them? Kovalev is a smuggler and the owner of Icarus. And Salma, as you know, is that famous psychologist and a psychiatrist. A smuggler and a shrink. Quite a pair of farewell guests. Vivement. Donc là on a comment il est mort et qui voulait sa mort. Ok. Regardez un peu la photo routière. He was just showing off to a girl. If I had such a fancy car, I wouldn't need a girl for anything. He didn't glow at night by any chance. Because of everything in his blood. Many drugs are rare, withdrawn, or from government projects. Wait, how do you know if Green doesn't glow at night? I don't want to talk about it. We haven't known each other long enough. Got something? Nah, it's nothing. Ouais, ce truc là, elle peut pas le voir. You would have seen a shootout in the reconstruction. Must have happened before. Maybe he shot someone? Alors, somebody had to be pretty damn determined to fuck Green Zicharet up this bad. Somebody. Right. Could have been Green himself.
Leur renoncer à l'immortalité après tout ce temps, ça paraît quand même douteux. Hein. Ugh, looking at this makes my skin crawl. You don't want to know what it's doing to mine. Ok, alors. Comment Green est-il mort? Et qui voulait la mort de Green et pourquoi? Alors la fusillade, ça pourrait être une bonne idée de pourquoi quelqu'un voulait sa mort. Green a pu abattre l'auteur des faits en état de légitime défense, mais faute de suspects blessés, on n'est pas plus avancé. Non, c'est clairement pas ça. Mieux que rien, mais j'aurais préféré quelque chose de plus concret. Pas de souci, on va trouver quelque chose. Alors par contre, si je le rejette, ça le détruit? Non. Ah, putain. Si, ça l'a détruit. C'est embêtant, ça. Bon, tant pis. Tac, tac, tac. Comment Green est-il mort? Donc là... on a la reconstruction qui pourra aider. The explosion and the fire. We need more than that. Ni l'électricité ni le feu ne pourra détruire cette merveille qui est l'icorite. Peut-être les trucs bizarres dans son sang. Weird shit. Let me guess. Some of these substances don't show up in the system. Yeah. How did you know? I'd say we're looking at an old school cover-up. Think so. No, that would be... what? Unethical? Alors, l'important, ce sont ces autres substances. Quels effets ont-elles eu sur lui? Ça fait chier d'avoir détruit l'indice, là. Donc déjà, elle m'a l'air d'être une bonne suspecte. La photo a été prise à l'heure du meurtre. Comment il peut avoir été pris en photo à l'heure du meurtre? Ah non, c'est Park qui a été flashé, pardon, excusez-moi. Donc du coup, ce serait plutôt ça. Ce serait plutôt lui, du coup. L'un des deux a-t-il un mobile? On n'a pas le droit à l'erreur, hein. Ça c'est... d'accord, ça c'est relié à rien. Ça c'est relié à rien. Et ça c'est relié à rien. Ok. Je commence à comprendre un peu comment ça marche. Alors du coup... quels effets ont-ils eu sur lui? Ça, ça me paraît un effet plutôt pas mal. Hey, we can officially call it a poisoning now. Great. You want to open some champagne? Hang on. Do you actually have some champagne? Sure. Whole basement full. Vintage from the mortal age. Ouais, c'est ce que tu allais dire. J'ai vu qu'il y avait des liens qui manquaient et qu'il y avait potentiellement des trucs à faire. Donc du coup, il nous resterait... le poison destructeur d'Icorite a pu disparaître du rapport officiel pour ne pas provoquer un vent de panique ou effacer ses traces. Qui a bien pu tuer Green comme ça? Et donc du coup, qui aurait un mobile? Qui aurait un mobile pour le tuer? Ça, c'est relié à rien, ça. Si, c'est relié, ça. On va le mettre là. Ça, c'est relié... ça, c'est relié à rien. Il aurait un mobile, je ne sais pas, et ça c'est relié à rien. Le meilleur ami aurait un mobile.
Well, that's a lot of enthusiasm, which I don't share. Hey, keep it to yourself. Whoa, I'm not trying to say we don't have anything. I didn't say you were. Now stop yelling. James, this is fun, and I'd play 3 more games of solitaire, but it won't prove anything. What else do you need? More facts, or it's a waste of effort. Zoomer, ce qui n'est pas hyper utile dans le contexte là. L'ancien trafiquant a peut-être inoculé à Green un poison qui détruit les corites, il nous manque l'arme du crime. Alors, l'arme du crime. Le flingue, ça paraît douteux. Des cendres aux cendres, la poussière à la poussière et la poudre, c'est pas de la poussière. Okay. Merci! Merci pour cette action philosophique. Est-ce que cette bouteille pourrait être l'arme du crime? Ouais, la bouteille, ouais, je suis d'accord, Zikino. La bouteille contient peut-être la substance que Kovalev a utilisée pour détruire les corites. Je vais parier dessus. Concluons l'analyse. Is this some lame engagement joke? What? No, it's not like that. I just have something for you. If it is, however, some stupid joke, I will get fucking mental on you. There is one more piece of evidence. Sorry? Why don't I know about it? It's not in the archive. Because it's not a photo. Oh, wait a minute. Tell me you're joking. I'm begging you. Putain, il est balèze le truc holographique. It's indispensable. You took physical evidence from the crime scene? They'll put us in jail for this! Oh, shit. I take it back. I'd rather have the engagement ring. It's beautiful. A vial of strange liquid. Probably poison. This creepy voodoo symbol on it makes it more mysterious. More importantly, the material of the vial might retain fingerprints. What do you think? Show me. If you have any more stolen evidence up your ass, you better get it out now, before you hurt yourself. Not this time. Consult your doctor. There's even a term for it. Kleptomania. Symptoms include paying for it someday. Alors, vu que le petit symbole de sauvegarde dans le jeu, c'est le Ouroboros aussi, je pense qu'effectivement, c'est plutôt la thématique. Alors, on peut envoyer la preuve. 97-fucking-6. Around Liberty Island, huh? None of your business. Everything was in Sarah's hands now. Which was neat, since my own hands were shaking in a delirium I inherited after some punk I've never known. And one more thing. In the meantime, please send that damn report. What about evidence analysis? You got evidence illegally, and you want to put it in an official report? I'll send it as is. Maybe we'll find something else later. Or we can just pretend none of this ever happened. A complicated and unfortunate accident in which Ikorite... Damn it, what am I doing? A specific fraud theory that doesn't quite... Wait. Enough. Numerous clues indicate the involvement of third parties. Suicide or accident is excluded. C'est un fouteur de merde, hein. Ah, on peut allumer notre cigare. A cigar worth 3 salaries of mine tastes best when it's free. Real tobacco tastes real good. With a bitter taste of everything we've lost, what we get is fake views. Fake smells, the fake food, fake hope for rats locked in an ever tighter cage. Green's legacy. So yes, I took a single cigar for compensation, and wish I'd taken more. I also have a grim certainty that no more compensation is forthcoming. Regarding Green, the chasm between the past and the present seemed to be hard to swallow, even for him. Was he getting himself full of ambrosia? Because all these little souvenirs of a long-gone world aggravated his desynchronization?
by things we've lost. Could they increase desynchronization? Is that why Green stuffed himself with ambrosia? James, are you in front of the board? No, I went out for a breather. That sample, you were right. It's definitely poison, but that's not all. There was a fragment of a print on it. I managed to reconstruct it and search the database. So, who does the print belong to? It's a damn big fish. Slippery, too. Oh, you're gonna make me beg? What's the fucking name? I don't want to say right now. Somebody on the street might overhear. I sent you everything by snail mail. Let me know as soon as you get it. I'm having deja vu. C'est lui que tu voulais voir, Zikino, le Zeppelin. C'est classant. Attention. Hop là. Bisous le cigare, plus de preuves. Ah putain, quand il se lève. Au secours, quoi. What? Away from the citizens. I bet they're all celebrating. Ah, c'est pas une explosion, c'est une fête. Bah putain, merci de pas faire exploser votre Zeppelin au milieu de New York, les mecs. Bien que là, c'est proche des immeubles. Ah bah oui, ça c'est sûr qu'il n'y a pas des grandes rues, ouais, on est d'accord. Alors, notre courrier. Deadly poison is atropine. Okay, great. Et donc ce serait bien Kovalev, hein, propriétaire du corps actuel. De l'atropine qui est nocif pour l'icorite. It was Kovalev's fingerprint on the murder weapon, huh? Still think we can't clear this one? I wouldn't start celebrating yet. We'll never get to him. He basically never steps outside Icarus. But you do believe this is a murder now? Well, yes. But... Special announcement. Engine problems have been reported aboard Icarus, which is currently flying over Brooklyn. We ask ah, donc c'est bien, c'est bien un vrai problème. Shelter in place. There is no need to worry. Insurance for bodily injuries will be fully applicable. Tout dommage corporel sera couvert par l'assurance. On vous mettra dans un nouveau James, corps à nos frais. Did you hear the announcement? I even felt it. Damn, are you that close to it? Are you all right? The news feed said it crashed into a building and that it's about to fall into a chasm. Yeah. We can't pass up a fucking golden opportunity like this. Pass up a gold? No, wait, James, are you crazy? Too late, bye. Il va essayer de choper le Zeppelin au vol. The bar was named Icarus and met its end fittingly. I didn't have time to savor the irony. An impossible chance to get Kovalev has just fallen out from the sky into my very lap, or at least my very neighborhood. Parfait, parfait, parfait. Je te rappelle que t'as un mec paumé avec une scoliose. Hein. James, are you hearing this? Fire department on site. Ambulance is in 13 minutes. Secure the area. Do not go inside. I say again, do not go inside. Sounds like good advice. Effectivement, putain la vache quoi. All you sons of bitches in Brooklyn, hold your position. And get the crowd pushed back before it comes down on top of them! Sarah, mute this channel. What? You allergic to orders? Guess I am. Oula, petit lag avec la lampe de poche, on va l'éteindre. The Moon. Barbary McAllister, sérieux, le vinyle quoi. Excusez-moi monsieur, dans les toilettes. Je
L'ennemi de la prospérité. Ah, l'alcool. Ok. Waouh. T'es sûr de toi, mec? Ça sent quand même l'idée de merde, là. Hein. Un homme là-bas? Ouais. Une perfection surhumaine en chair corporelle tous les vendredis. Ah putain. Trafic de chair humaine, c'est l'enfer quoi. Je trouve que ça manque de cadavres. Aletea sur 111.1 FM, habilité par le gouvernement, des citoyens informés, une société avertie. Ah, y a vraiment une hype à la Rapture quand même. Hein. Plus que BioShock Infinite. Buvons un coup. Wait for the gravity to do the killing. Swell. I prefer to interrogate corpses. Their deaths tell me more than their lies would. James, evacuate whoever you can and get the fuck out of there. Little late for that. See for yourself. Oh shit. What the fuck? Good question. Help me identify Kovalev. I bet his corpse will open right up if we ask it all nice-like. Putain, c'est quoi qu'il a dans le front là? How about this unicorn guy? Seriously? No, it's not him. Ça fait marrer quoi. Sérieusement. Si je passe en mode preuve. Ok, il y aura une preuve là-bas. Bonne tête de Kovalev lui. How about this guy? Not even close. Quit fucking around. Je sais pas moi à quoi il ressemble. Drenched in his own blood. This isn't Kovalev. Shit, I can't find it. Moving on to reconstruction. James, we don't have time. Sarah, I'm going to find out what happened here, full stop. Understand? Okay, sure. Alors, y a-t-il des preuves antérieures à l'explosion du bar? Où est-ce qu'on se met pour la reconstruction? Là-bas. Ça ressemble à un serveur, pas à un riff, c'est pour ça qu'il rigole sur le premier. C'est pas faux. Don't worry, I'm sure everyone here can afford new bodies. Je m'en fous, je parlais de l'alcool. J'aime. Alors, là c'est un peu tôt. Je vais assez remonter peut-être. Ah non, là-bas, il y a une anomalie là-bas. Là-bas, l'anomalie. Tiens donc, un coffre avec notre sympathique petit... code. Same as green. What's inside. James, don't even think... We have to reconstruct the lock. Mais bien sûr, reconstruisons la serrure. So we don't know what caused the explosion. Not yet. James, robbing Kovalev is not the same as swiping a cigar from a corpse. This whole place is about to fall apart and take Kovalev's secrets with it. I'm not about to let that bastard get away from me again. Hey, if you fall, I'll say you acted alone. I'm fucking serious. Fine. Let's get to work.
Alors il a dit, je ne laisserai pas encore me filer entre les doigts. Waouh. Ça ressemble à un accident quand même. Just bad luck. I'd say his luck was a little worse than bad. Ah, il est en train de se battre. Ok, peut-être qu'il s'est pas fait embrocher, j'admets. Ah, peut-être qu'il s'est... c'était pas un accident, peut-être, pardon, excusez-moi, je me gourde de mots. Against that much force, I didn't stand a chance. 360 km/h, ah oui. Évidemment, c'est gênant. Il y avait un autre truc, mais visiblement ça a disparu. Il avait quand même un flingue, le mec, hein, avant de claquer. Il avait sorti un flingue, c'est qu'il y avait une raison. Moi, je pense. Shouldn't you be sober at work? I'm officially off duty, remember? I can break in and at least check the bar's latest order. Whiskey sour, old fashioned, more than 20 times. Ordered from the lounge next to the main stage. It moved all over the bar before it got here. Bravo, on va. Utiliser la lampe UV sur lui. Waouh. Putain, il a pissé le sang sur la moitié du bar, quoi. Looks like he was walking from the side of the politician's box when it blew up. I bet he conspired with them. Who's that? On a plein de solutions en fait pour reconstruire le truc, c'est intéressant. Notre truc là-bas du coup de nouveau. Sacré shrapnel. Est-ce qu'on peut monter dans la box là? Bon, il me reste encore un truc à faire avec lui. This body looks familiar. Yeah. Reminds me of someone. I won't get anything else out of it for now. Gotcha. On va construire. Ok. On va construire le petit bras du barman. Alors là, j'ai deux événements. Ok, intéressant. On va faire celui qui est d'abord plus loin dans le temps. You find something? Nope. Tu remontes le temps, que ce que tu peux reconstruire, regarde, c'est ça, en fait je reconstruis à partir des éléments qui traînent dans la trame, je sais pas exactement comment, et après ça me permet de naviguer dans cette séquence là.
remonte un petit peu, est-ce qu'on trouve qui a laissé cette empreinte? Oui. It matches the bartender's hand. That makes no fucking sense. Unless... No. Still makes no fucking sense. Ok, j'ai plus rien à faire a priori avec ce truc là. Très bien, on va essayer de creuser le mec avec son flingue du coup. Reconstruire un peu plus. Someplace else. Et il a pas encore son truc dans le dos et il s'est déjà pris deux balles, hein. Sign. The ads in the city are deadly effective. Ugh, James, I'm begging you. He's got something on his neck. Check it out for me, would you? It's, one of ours? Agent from the department. How the fuck did he get in here? Jealous? Yeah. Ah oui, du coup, c'est ce qu'il disait, en fait, ça c'est un bout de néon et tout, mais ça vient pas de là, en fait, l'explosion est venue du centre, ils se sont écrasés sur le sympathique néon où on était assis une minute avant. Mais je suis désolé de le dire, il y a des balles dans le dos. Visible under UV. Thanks, detective. What do you make of this wound? Adrenaline's a hell of a drug. The blood trail leads all the way to the lounges. It must have come from there. Une sympathique mallette, un mec qui s'est pris une balle dans la tête. Parfait. Je suis obligé de regarder dans cette direction. Ah, il avait une balle dans la cheville, enfin dans le genou là, et il a décidé de se barrer. Il avait dû répondre dans le mec, hein. Il se fait tirer dessus pendant qu'il descend et il court encore. Par contre, il a pas l'air d'avoir de flingue. Tough guy. He kept his cool. For all the good it did him. Let's see where he jumped from.
pouch is fucked up. Is this more of the undercover's blood? Nah, he would have bled out. Must belong to the guy next door. Check the DNA for me? No data available. Shit. That's gotta be some big fish. I'll take photos. We'll identify him later. Et à côté de ça, on a un vieil appareil photo tout pourrave. What is that? A brand name? Could be. Or maybe somebody's initials. Kovalev, par exemple. Nailed him right through the head. Damaged. Someone shot through the suitcase lock. I'll check for ballistic trajectories. Away. Yes. The side of the bar erupted in a hail of hot lead. Turned the lounges into Swiss cheese. Into what? People used to talk like that. I heard in some movie. Oh yeah, I forgot. You're a movie buff. Et merci Sir Madness pour le raid. Bienvenue à tous les raiders. J'espère que le live s'est bien passé et que vous allez bien. Sur quoi tu étais, du No Man's Sky peut-être? Alors du coup, il se serait fait tirer dessus par accident parce que le truc a explosé. Mais... They sat there in the lounge, all cloak and dagger and hushed tones, until the spray of bullets caught them flat-footed. Ah, je connais pas Len Island. Merci pour le raid, Sir Madness, j'espère que ça va bien. Ici, ça va plutôt pas mal. On enquête dans un futur un peu dystopique. Where did he get the money for that? Alors lui, il s'est fait un petit peu défoncer. The bullet turned his brain to mush. It took years to reconstruct his icarite. James, can you get into the suitcase? Okay. Lock works. Let's see. At least we know where he got the money for that hot rod body. Been tempted to... No, put it down. Yeah, just ask it. On a une capacité fort sympathique de retourner un petit peu dans le temps. Why is our agent neck deep in this? What's his fucking deal? Hey, I remember that agent from Rachel's case. James. No, listen. If he's the guy hired to do the dirty work with Rachel, and he was up to no good here, too. We really don't have time for this. Right, okay. I'll haul ass. I don't think we'll get any more out of the Swiss cheese lounge. Let's move on. Et bon app, Sir Madness, tout à fait, t'as raison, Zikino. Alors du coup, qui a tiré? There's blood. I'll turn on the... are everywhere. Well, it is his bar. Looks like he spilled a few Bloody Marys, so to speak. Let's follow the trail. Traces lead here. Some unidentified substance. Reads as flammable. Kovalev started walking from this spot, leading like a faucet, even more than that dead you see. Une petite reconstruction des familles. Oula. Il est apparu en plein sur moi. Ce serait lui qui a ouvert le feu sur, sur les cocos là. Anomalie, elle se termine ici. Alors, pourquoi tu saignais, mon pote? Tu t'es pris une balle dans la dans le dos, non? Dans l'épaule? Someone shot him. Another lunatic. Shoot a bartender. An endangered species. I'll figure out where the shots came from. Alors,
sortons nos super rayons X. Got the latest generation? One that picks up the trajectory of bullets? Relax, I'm old-fashioned, but I make exceptions for toys that make my job easier. Ça venait de là-bas. Lui. Coucou. Ils sont tous les mecs qui ont participé à cette farce sont morts quoi. Attacker shot from the stage. Any thoughts on who did the shooting? Sacré tir avec un flingue pareil hein. He's great at playing a dead guy. Really in character. The caliber matches the gun fired. Is it him? He shot Kovalev before he got hit himself. Wow. Qui lui a tiré dessus, mais c'était brutal. You check the DNA. Body's assigned to a user named Edmund Christo Basment. That doesn't tell me anything. Yeah, I didn't figure it would. Employed by Phalanx. An elite private security company founded by someone called Miller? If I were this guy, I'd look for another job. He fired four shots before he fell to the ground. But only one hit Kovalev. Vraiment très intéressant ce gameplay. Hein. J'aime beaucoup. Why was a security guard shooting at Kovalev? Good question. Ah, il était tranquille là, en train de faire sa sécurité, et il a tiré sur Kovalev quand Kovalev lui-même a ouvert le feu. Something provoked him. He must have been startled to have such shitty aim. Straight in the Ikarite. Whoever tapped him was a fucking excellent shot. So now the question is, who? Exactly. So long, Edmund Christo Basment. On peut rien faire de plus. Là non plus. Là non plus. Là il y a un truc qui reste là-bas. Ah, le corps carbonisé de chez Carbonisé. C'est une idée, Zikino, c'est vrai. To a guy like that, the cost of a new body is no worse than paying a parking fine. Encore faudrait-il qu'on puisse récupérer son cadavre avant qu'il explose. Ah oui, il a vraiment bien pris feu juste au moment où il se faisait shooter. Sounds like clockwork. You recognize him? John Park? The third one in the photo with Green. The main shareholder of Demmer? Fucking Demmer. Il
ribs completely crushed. Multiple minor injuries. Qu'est-ce qui lui a foutu le feu comme ça, quoi? He's covered in some kind of flammable shit. We found the same substance on Kovalev. What does it look like to you? Something exploded right next to him. Concussive force broke all his bones. Intense heat set him on fire. Shit. What the fuck? Mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Well, suffering's nothing new. Especially for people who eat Demmer food. Can you find the source of the explosion? As long as this shit glows under UV light, yeah, I think so. Faut que je reconstruise un peu plus. Non. Les UV. Le fameux box. Était tout rasé. Ah d'accord, il était carrément là en fait. Il était carrément là le mec. Time to check on Park's friends. What was, huh? What'd you say? Nothing. Just that we better get a move on. Martin Roy. The owner of the New York Liberation Stadium? Shit. He seemed like a decent guy. You knew him? Nah, not really. He shook my hand a few times in the old life, that's all. Putain, ça a buté tous les gros bonnets de New York, cette attaque-là. A scarf? I saw this pattern somewhere. You know, from a photo? La meuf, elle est partie aux toilettes et après ça a explosé, comme par hasard. Yes, indeed. Jane Salma had a similar one. Similar? Identical. But it's just a scarf. Besides, there's no sign of Salma's presence. No, not yet. Weird. I can't read the Icarite. Destroyed? Doesn't look that way. I just can't access it. I see a code on the hand. Will you check it? Expensive bodies don't usually have those. Could have been a recent purchase, maybe? Just hadn't gotten around to removing the serial number yet? Weird. It's unregistered, but the body was bought by Phalanx for... Holy shit! For $4 million? Way too pricey for a bodyguard. Sarah, meet Mr. Miller. You think that's the owner of the company? Not only that. Arms dealer, smuggler. Don't bother looking in the system. You won't find anything. This asshole works for the government. Got some documents. I don't believe it. Do people like this always keep secret papers just lying around for anyone to see? C'est surtout que j'imagine qu'ils peuvent pas trop imaginer qu'on... The age of free subscription is just the beginning. What? They want to make it even lower? And add tons of taxes. I'd say it's a long-term plan. Have they gone fucking insane? They can't do that. Roy was planning the games. Did you read about that? He wanted to distract the crowd. Miller was probably supposed to protect the rich. Someone sure fucked those plans up. Oh, just breaks my heart. I wouldn't say fucked up. Delayed, maybe. But you know sooner or later they'll resurface in new bodies. At least it ought to take them a while. Right. Well, in any case, the longer the plan takes to get started, the better it'll be for the rest of us.
des gros salauds. Fuckers. Whoever blew them up may have had a point. You got that right. How can we connect it all? Trace evidence of explosives ties directly to Kovalev. I'll check around the bar again. Ouais. Il fait exploser son propre bar, il tire là-bas, le mec de la sécu réagit et là-bas. C'est un peu compliqué quand même comme plan. Tu me gênes, Kovalev. Tu me gênes, Kovalev. Passe de l'autre côté peut-être. Douille. Shells, 45 caliber. No shit. Kovalev used the Tommy gun. Nothing like the classics. Putain, il a sorti une Thompson, quoi. C'est ça que vous me dites? Thompson à accélération magnétique. Donc il se met à tirer là-dessus, ça n'a pas encore explosé, il se met à tirer là-bas, sur le box. L'autre se met à réagir. Oh le plan foireux quoi. First he took out Green, then he got to the rest of his gang. Turned against his own. Started with Kovalev. First, he served a cocktail he'd whipped up himself. Il a jeté une grenade, ouais, un truc du style, hein, j'ai bien vu. He treated the next guest with a hail of bullets. Wow. Le mec quoi. He finally earned a bullet himself from Oscar Winnow Edmundo. Et là ça pète du coup. Oui, il avait commencé à se barrer mais trop tard. Kovalev. Gave as good as he got. Putain, il a réussi à le shooter à cette distance dans la tête avec un, bon, même si c'est un Thompson de 2350. And he finished off the crooked UC. It's all just so unnecessary. Necessary or not, in the end the neon got him. Hit hard. We're lucky. You know what they say. Follow the trail of blood. Nobody says that. Casse son Thompson, hein? C'est parti. Voyons voir s'il a réussi à s'en sortir parce qu'il devait être un petit peu dans la merde quand même le dirigeable à ce moment-là de la partie. We've got a lead. The trail leads to this guy. We've got Kovalev's prints on the handle of the knife. Putain. Mais Kovalev quoi, il fait péter son bar, il allume le mec à l'autre bout du truc, il mitraille dans le box, il bute l'infiltré et après il se dit tiens, je vais foutre un coup de couteau dans mon serveur. Le mec qu'on veut quoi. Sérieux, il a buté tout le bar à lui tout seul quoi. It wasn't just his drinks that had a kick. Who's the knifer? Zikarite's cut. I'll check the blood. Oh le coup de pied, je récupère le couteau en plus, c'était le propre couteau du gars. Magnifique. Another one of Miller's bodyguards. Seriously, where does he get these guys? Allez, on se refait l'action là, juste pour le plaisir, franchement. Nice display of bravado. I bet he was in the army. You don't get reflexes like that just from a body. It takes training, years of it.
I'd also say he had to use the knife, because I think by then he'd lost his gun. Ouais, il a plus son flingue là. Il a plus son flux, son vide, séché les trucs. Qu'est-ce qu'il a foutu? Et lui, du coup, qu'est-ce qu'il a fait de sa Thompson? Il a lâché. Ah bon, parce qu'il y a l'autre là qui l'a. Il a fait un truc. Impact not Kovalev off balance. Ah oui, là il y a le néon qui s'est pointé, donc du coup il perd l'équilibre. Le serveur licorne ressemble au garde du corps qui a tiré dans. Ouais, c'est pour ça je pense qu'il disait où est-ce qu'il les trouve. Il a fait tomber un truc en plus de son flingue. Ah oui, là. Something new. You think he blew himself up? Nah, I doubt it. Il avait posé de la dynamite. Putain, le coup de pied là, alors qu'il est pété à l'épaule, que le truc tombe en ruine. Ah, il y a un autre bâton de dynamite par terre. Ok, très bien. How much did he have? Sème des bâtons de dynamite, les gars. We're following the trail of blood. Again. You know, like they say you're supposed to. I can't. Alors ça fait un gros épisode pour la VOD, mais il y a des choses à faire quand même. Ok, donc là tout le monde est mort. Le dirigeable s'est déjà pris le truc. Et lui il se dit, tiens, je vais aller miner mon bar. Ah oui, non mais d'accord, en fait c'était un... D'accord. Il s'est fait sauter. Vache. Ok, il saute par-dessus. Here, we got hit again. Ah, il y avait encore des tireurs en vie. Kovalev got shot a few times. He kept going. The reconstruction's complete. Get the safe. Up here. You already have all the data. Open the fucking safe before it all collapses. Roger that. Merde, où du coup le coup l'explosion. The safe should work again. Eh ben, sacré cas, hein. Entre celui-ci et le cas précédent, t'as tellement l'impression que c'est quelqu'un qui a pris possession du corps de la victime en rentrant dans sa tête et pas, ils étaient à côté, ils l'ont forcé à. C'est vrai que ça pourrait être une piste, Zikino, ouais. Une désynchronisation qui les force à faire un truc un peu YOLO. Et salut Brodaf, bienvenue sur le live. J'espère que ça va bien. Is it a real scotch? Are you crazy? Go! Sûr qu'on prend la bouteille. The universe has presented us with a gift. We've gotta respect the universe. It's a card. There's something on it, but without any data. You're out of time. Take what you have to take and run. Wait.
There's something else there. There's no time. See this? Green wrote to Kovalev. Ah, I see. Now, do you want to be scraped off the pavement? Right. I can think of better ways to spend the evening. Could Green and Kovalev have been working together? And why did the fucking bartender want to blow himself up in this particular place? What was he hoping to accomplish? La désynchro qui nous a rattrapés. What the fuck? Sarah, are you there? Who would have thought that the fly that was buzzing over Green's corpse would get stuck on Icarus? Can't find a window to fly out of. Someone else was behind this. Thanks for confirming. I wouldn't pat myself on the back. Je voulais voir si je pouvais sauter avec l'espace, mais ça fait passer le dialogue. Instead of this, buzz yourself around the ripeness corpse, the one you missed. Quoi? You'll need to be more precise. There are several corpses here. Close to Kovalev. Close enough to take him out with an explosion. Net the bastard was trying to trap me in. I had to act fast. Vous sortez d'une AG avec Arda. Ah, une AG, une assemblée générale de la chaîne. Alors c'est vrai toi, qu'est-ce que tu faisais là au final, mec? Looks like a bigwig. Did you find him? What kind of shape is he in? Dead. Just a temporary state for bigwigs like him. Unfortunately. Green is on your shit list too, huh? We don't have to worry about it anymore, do we? Let's focus on the one at your feet. Do you recognize him? Wait a minute. George Boyle, CTC director. From the rotten family that invented the Icarite. His signature was on the documents from the lounge. He and the others found a way to strip the poor of their bodies to pad the pockets of rich assholes. He's just another dead asshole to me. What do you want? You have a unique chance to get justice. Desynchronize him. Buy some time for the poor people. You think it's justice to desecrate an Icarite and a corpse? Yes. If you shoot him through a Icarite, he'll suffer. And more importantly, no more body taxes. It will take months, maybe years, before he gets back on his feet. You gave time to people who really need it. Non, je ne tire pas. This isn't right. And what is right? Thousands of souls that will go to the memory bank. You can buy them time. Just pull the trigger. Non, je ne tire pas. T'es qui, mec? Really? No guts? Who are cops here to defend? People like Boyle or innocent folks? This is a chance for some justice. Are you on their side? What? They brainwashed you? Come on. Pull the trigger. Come on! Fuck you. I'm nobody's puppet. Yes, you are. They own you. You proved it. Ah, James! Can you hear me? It's about to go down. You've got to get out. Shit. James, you have to get out of there. Ok, magnifique.
I bet my not-so-great body on a great hand, and damn was I right. Instead of dead, I was ahead for once, and ready to break the case of the century. Il a trouvé une mystérieuse carte. Eh bien écoutez, on va arrêter là la VOD, du coup ça fait un très bel épisode déjà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat, c'est le moment. Bon, un petit coup parce qu'il fait chaud. On en parlera en off si tu veux, Broudaf. En tout cas, merci d'avoir regardé et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.